C'est au quartier Engrais-Val d'Oise que les sous-zones de la Riviera Palmeraie et des Rosiers ont tenu leur premier week-end de salut et de guérison de l'année 2021. Un programme qui s'inscrit dans le cadre des tournées évangéliques du pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan. Après Atoban, Riviera 2, c'est maintenant autour de la Riviera Palmeraie et des Rosiers. Ainsi, ce dimanche 18 avril 2021, tous les fidèles des dites zones sont venus nombreux célébrer la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Les témoignages édifiants de salut et de guérison rendus pour la circonstance, l'évangile chanté par le groupe Semeur, ont lancé une bombe dans le camp de l'ennemi. Tu as écouté les témoignages, tu as écouté les chants. Le dernier chant dit Jésus t'appelle. Je ne parlerai pas beaucoup. Le Seigneur m'a dit, si je me lève, je lance l'appel parce que les cœurs sont prêts. Si tu es venu pour donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout. Là où tu es, tiens-toi debout. Troublés par l'action du Saint-Esprit, les démons ont pris la fuite. Enchaînés par l'adultère, enchaînés par la mauvaise vie, enchaînés. Oregabaga, venez le chercher. Ça, c'est un jour de délivrance de l'Éternel. Quel que soit le péché. C'est pas vraiment. Ça n'a pas été facile pour moi. Parce que auparavant, j'appartenais à une religion quelconque. J'étais chrétien avant, puis après j'ai laissé d'aller à l'église. Je me suis converti en islam. Mais fait certaines pratiques plusieurs fois. Mais ça a tourné autrement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la paix avec Jésus. Je vais donner ma vie à Jésus, puisque c'est Jésus, Dieu qui m'a créé, et j'ai plein droit de me confier à lui. Voilà. Naturellement, les dirigeants n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments face à ces résultats. J'ai dit merci au Seigneur parce que déjà, des âmes se sont données. Plus d'une trentaine de personnes se sont données au Seigneur. Donc je peux dire que je suis satisfait, mais que je veux que nous travaillions encore plus, nous évangélisons encore plus, pour avoir encore plus d'âmes. Voilà. Toutefois, il souligne que le maître de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ, a été glorifié, car il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent.